David Papot. De voir les arguments de chacun. Il essaye de cadrer avec son jab. Et voilà, il travaille au coin, Papot. Il ne fait pas grand-chose, il n'a pas une boxe très. Bravo encore, David Papot. Un petit hypercut. Net, précis, et partir ensuite. Attention, il n'est pas resté. Hypercut, bras arrière. Ouais, crochet droit de la part de Skitou. Il travaille au corps, qui revient avec un crochet. Malgré le soutien du public de Nantes, on voit beaucoup de supporters venus de région parisienne. Oh, bon crochet. Dès qu'il bouge une oreille, il touche, il sort. Il travaille un contre-attaque, il est rapide, il est plus rapide. Ah, c'est mieux ce qu'il fait, la village. À cette distance-là, je pense pas. Main droite qui rentre, il percute. Et il travaille au corps, il remonte. Crochet gauche. Et... Ah, c'est pas mal ce qu'il fait, Papo. Bon côté aussi. Bonne droite de Bilal Skitou. Attention. Et l'accélération. Et Bilal qui frappe au corps. Voilà, il veut durcir. Crochet droit de David Papo qui est rentré. Papo nous travaille contre contre-attaque. De distance, mais ne soyez pas y aller, Bilal, parce qu'il sait que la contre-attaque, elle est rapide. Il ne file pas tout droit, intelligemment. Hein. Il met son jambe à l'extérieur, regardez, ça fait de bagarre. De mi-distance, de rouleau compresseur. Il faut qu'il boxe. C'est ce qu'il essaye de faire. Hein. Il essaye tout de même d'enchaîner les combinaisons, Bilal, avec un Papo. Voilà, il essaye de cadrer Bilal, travaille au corps, il remonte à la tête, il redescend. Et lui qui travaille pour l'instant, et c'est précis. Ça varie les zones de frappe, bon crochet gauche. Et lui qui tout droit, oui. C'est pas mal, il est touché d'avec sa peau. Bilal. Ça va. Attention, il crochet gauche, David Papo. Il a bien touché, David. Ouais. Et un poil plus rapide, plus vif. Oh, attention. Et Papo. Et Papo laisse. Attention, super coup de gauche, David Papo, et crochet gauche. C'est deux hommes sur six ce combat maintenant. C'est énorme. Oui. Il est fort uniquement sur ses jambes et qu'il fuit et il reste. Et non, il fait son combat. C'est un combat de cabine téléphone. Et là. Et c'est Bilal. Et là, c'est Bilal qui a serré. Papo. Il essaye toujours de tourner. Petit coup qu'il prenait au début. Tout est bloqué maintenant. Voilà, attention. Capacité que Papo a contre-attaqué. Sa rapidité. Et maintenant. Et attention à cette gauche. Papo, elle est bien rentrée. Et crochet gauche de Bilal. Il a compris, Bilal. Bien les hypercutes de Bilal, ouais, régulier, droit qui est rentré. Sur le travail. Et le crochet. Oh, il a envoyé tout ce qu'il avait, il a loupé, heureusement pour David Papo. Maintenant, met le moteur en marche, John. Avec ce travail régulier de combinaison. Et là. C'est ça. Oh, le crochet droit de Bilal Skitou. C'est ça. Et encore le crochet droit qui est rentré. Et quand je disais qu'il était plus régulier dans Eden. Ça part d'en bas, c'est moins visible. Ouais, bonne droite. Ouais, ça, c'est une bonne défense de David Papo. Attention à ce crochet gauche de David Papo. Mais des petits coups, pas puissant. Oh, gauche de David Papo. Et Bilal qui avance, qui a retouché avec un crochet droit. Les super coups, là. Aïe, ah, j'ai envie de dire. C'est plus varié, ça surprend. Et une petite gauche. Encore, ce crochet gauche. Ah, c'est un voyage, c'est presque Papo clairement plus incisif dans ce qui a touché Bilal. Bilal sait plus trop quoi faire. Oui. Pas... Quel sport dans quel bon et Bilal qui essaye de remettre de la cadence, voilà. Courant, il fait bon retrait là de Bilal Skitou à lui. Mais des coups puissants comme Papo est assis sous le coup d'œil. Est un peu plus convaincant, oui. Les... De David Papo qui est quand même marqué. Et Bilal qui essaye de resserrer une nouvelle fois. Et toujours c'est Papo. Ouais, mais Freddy Roche lui a demandé de travailler au corps, John. Oui. Quand on baisse la tête comme ça, c'est bien de travailler bas, non? C'est ça. Plutôt que de vouloir toucher toujours en haut la tête. Voilà, c'est mieux. Ouais, c'est bien ce qu'il fait, Papo. Encore des touches. Quel combat, messieurs. Ouais, Papo, il a la vivacité pour lui, John, et la vitesse. Ouais. Et c'est lui qui, pour le moment, touche le plus. Il réagit. Et en plus il durcit. Il est bien. Et il reste face. Bilal est bien. Pour tout. Oh, bien sûr. Il est tout pour tout. Et là. Il est resté en face. Il est dans le percute qui vient de passer encore. Et Bilal essaye de remettre de la cadence. Il le sait. Et là, la dureté de l'entraînement, les sacrifices qu'on fait, vont pouvoir s'appuyer. Ces trois derniers rounds qui sont très importants pour les deux hommes. Ah, il y a de la vitesse. Et il appuie ses coups. Ils sont trop légers les coups d'approche de Bilal Skitou. Oui, il commet des erreurs, Bilal. Et il se prend un comme ça. Faut pas rester là parce que les contre-attaques, il les prend. Mais c'est bien ce qu'il fait là, David Papo. Il est bien plus précis. Et il percute. Crochet droit. Un rigide dans lequel il est bien. Attention, ce petit percute. Les slips de Bilal. Papo l'a senti. Revient à la.
bougé, David Campo, vous êtes un peu fatigué. Même si ça touche, ça me fait pas mal. Attention, les hommes vont se rendre coup pour coup là. Là on est dans 20 dernières secondes, assez clean. Et c'est David Campo qui travaille maintenant. Et Bilal qui essaye encore des séries, des combinaisons. Il reste 20 secondes dans ce combat. Il aura fait tout ce qu'il a pu pour essayer de s'imposer. Ah, il est fatigué, bras engorgés. Bilal Skitou aura été l'un des combats de l'année en France. On vous l'avait prédit. C'est exactement ça.